Mais je dis nique ta mère même au bras gauche, donne-moi ma drogue. Donne-moi ma drogue, je veux ma drogue. Je veux ma drogue, je suis un drogué. Je te braque ta grand-mère, roule. Roule, je te braque ta grand-mère. Roule, je te braque ta grand-mère. Roule. Il y en a un qui sort un pétard, je l'allume. Roule. Eh, il va rouler, sinon je lui mets une balle dans le crâne. Tu vas crever les pneus et il va prendre une balle dans le crâne. Non, parce que la roue elle tourne, sa mère. Quoi? Elle a tourné. Il lui brûle les yeux, genre. Non, je l'amène à l'hôpital, mais vous allez pas tuer Fatou. Mais vous êtes sérieux? Mais non, mais vous tuez pas Fatou. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière. Quoi? Wesh, attends. J'ai essayé de me faire un dégradé, mais... C'est bon, laisse-moi tranquille frère. Je vais mettre une casquette et vous allez pas me casser les couilles. Ça frérot? Mais on dirait t'as 58 ans maintenant. Mais frérot, toi tu me vannes alors que guette ta coupe. C'est vraiment déplacé de ta part de te permettre de juger la coupe des gens toi par contre. Et je vais bientôt changer de peucou. Tu vas faire quoi? Je sais pas, je vais faire des... Je sais pas. Mais avec la casquette ça passe. Ça passe ma coupe avec la casquette. Bah ça fait genre mec en mission qui veut pas se faire cramer. Je t'emmerde Idriss. Qui t'a dit que j'étais pas un mec en mission qui voulait pas se faire cramer? Ah ça va te chercher. Ben te rappelles pas hier quand Bader il a mis une patate à un mec et qu'il a mis dans le coma? Ah ouais c'est vrai. Ben ouais. J'avais oublié ça. Toi tu devais aller au commissariat toi hein. J'ai complètement zappé la soirée d'hier. C'est allé trop vite en fait. Ouais en plus j'étais mort moi. Bon c'est quoi l'objectif là aujourd'hui? Je sais pas. J'étais parti voir là s'il y avait le orange, on va voir. J'aimerais vraiment bien que ça débloque Caillou Perico parce que là ça commence à me casser les couilles. Hein. Mais Caillou, t'as vu pour le conseil? Oui, c'est bon, j'ai les clés. Hein. Vas-y, on va y aller si tu veux. Oui, mais frère, Oufman, mais bon. C'est ça que je voulais entendre. Casse les couilles. Moi, frère, ils me font le chantage. En fait, ça qui m'énerve. Putain, je suis dégoûté, frère. Pourquoi? Hier, j'étais à deux doigts de voir Gabi. Appelle la soir. C'est ça, elle était avec trois mecs, frère, c'est une chienne. Mais non, parce qu'en fait, attends, elle bosse ici. Ouais, Papa Chango, ça va ou quoi? Bien, et toi? Ouais, ça va, je venais prendre des nouvelles un petit peu. Ça va très bien, je suis actuellement censé être mort, mais sinon tout va bien. Mais... Comment ça, t'es censé être mort? Des histoires un peu compliquées, des Caillou Perico. Rien de grave du coup, c'est bon, ça s'est arrangé? Bah bien, et toi, quoi de neuf? Ben moi la routine, hein, la routine tranquillement quoi. Y'a rien qui bouge puisque le cartel ils n'ont toujours pas fait avancer les choses quoi, mais sinon à part ça tout va bien. Jour derrière, c'est un truc de fou quand même hein. Et tu n'as pas trouvé le moyen de faire tes affaires toi-même tout seul? Ben si je peux tu vois, mais bon moi ça m'intéressait vraiment ce que vous avez ce qui venait de chez vous quoi. Je comprends mais apparemment tu sais ça m'a valu des problèmes de te recommander à ce putain de cartel. Ouais mais bon au bout d'un moment le cartel faut bien qu'ils fassent leur sous aussi. Tu sais ce que j'en pense moi, c'est bien le cartel tu les emmerdes. Prends ton flingue, tu vas les voir et tous les flingues, voilà ce que tu vas faire. Oui, d'accord. À Caillou Perico? Caillou Perico, tu les prends et tu les emmerdes. Tu prends ton flingue et pam pam. Putain de merde, c'est ce que j'aurais dû faire. Oui, mais je vais me faire tuer, moi. Moi, je suis pas aussi fort que toi, moi. Que moi, je suis fort, hijo de puta. Bah, t'es un colonel, ça veut dire que tu dois quand même, t'as le sens de la guerre, quoi. De la guerre, si, c'est vrai, ça y a le sens de la guerre, si, si. De la guerre. Mais, gringo. Je n'ai pas oublié que tu m'as rendu fier service. Je saurais te revoir ça. Tu as compris hein? C'est bon, oui, j'ai compris. Oui, bien. Mais ça va être compliqué de se tenir au courant régulièrement. Je vais changer du tout au tout. Je vais m'en aller dans une autre île. À Saint-Martin, je pense. Attends, mais tu t'es fait bannir? Oh, je suis pas banni. ça m'a l'air compliqué tes problèmes quand même là, si jamais t'en es au point de changer d'île. Je vois pas ce que tu veux dire, gringo. Non, je suis pas banni. Ok. Eh ben si jamais t'as besoin tu me dis Papa Chango. En ce moment je me méfie de tout le monde amigo, c'est roi des putains. Tu me dis que tu travailles pas avec les putains des cartels pour me retrouver hein. Ben personne te dit ça donc c'est toi et ta confiance Papa Chango. Je vais pas chercher à te convaincre. C'est parfait, ben va te faire foutre. Vas-y toi aussi Papa Chango, ciao. À bientôt. Il est ban. Qui ça? Papa Chango, il est ban de Caillou Perico. Et wesh. T'as vu? Vas-y Caillou Perico ça. T'aimes bien mon nouveau look? En vrai ouais ça va. Mais putain mais t'as vu là t'as vu je suis là et je sais pas quoi faire de mes mains. Ouais ah. Faire ça. Tu vois? Ouais. Yo
Yo. Ça va, gros lardon? Yo, ça va, Céliane. Eh, ça fait longtemps, man. Ça va? Ah ouais. Alors, ça dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bah, il te ramène ta cam. On m'a demandé. Ma cam? Quelle cam? Mais non, c'est ici, non? Attends, de quoi on parle là? Yo. Bah, moi, je suis venu pour ce qu'on m'a demandé. Parce que Edis m'a demandé. Ouais. Et pourquoi tu le ramènes ici? Lui? Mais tu veux que je te dis que ta mère ou quoi? La marque? Attends. Ouais, d'ailleurs, on est au conseil. C'est une bêtise. Viens. Vas-y, j'arrive. Ouais. Pourquoi t'es pas venu seul? Bah, vous m'avoir pas dit. C'est qui lui? C'est un pote, il est de confiance. Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais lui, c'est un pote, il est de confiance, vous inquiétez pas. Ok, les gars, des secrets, ils sont gardés, d'accord? Ah, mais écoute, nous on te connaît pas trop donc. Ouais, c'est bien. Si tu sais pas ce qu'il y a dedans, vous inquiétez pas. Ouais, mais même, ramène pas. Mène pas ici, trou de cul, va. Mais t'es un trou de balle ou quoi, Lamar? Mais je t'encule toi et ton asthme, t'es con ou quoi? Combien de fois? En plus, on le dit tout le temps devant toi, t'es complètement con. Non, pas toi. Mais oui, en plus, il est complètement con. Mais oui, il est complètement con, vas-y, reprends. Vas-y, Remonte. Non, laisse pas ça là. Mais non, laisse pas ça là, remets dans la voiture. Vas-y, reprends. Yo, t'as investi dans l'entreprise, c'est bien. Mets-le dans ton cul. Mais attends, Idriss, prends la Buffalo et rejoins-nous derrière. T'as 4 de QI, Lamar, j'en peux plus de toi. Mais c'est un beau, t'inquiète, c'est mon pote. Oui, mais. Il m'a aidé dans plusieurs galères. Céliane. Ok, Céliane. Ouais. Tu travailles ici ou pas? Ouais. Attends. Attends, y'a un petit fils de pute qui m'appelle. Allô? Ouais, vous êtes disponible dans la soirée pour la livraison ou pas? Ouais, dans pas longtemps là même. Une tonne. Ouais, t'inquiète, tout ce qu'il faut. Une tonne, hein? Ouais, c'est bon. Ah non. Ah, ça, je fais pas ça. Non, tu crois que je suis quoi? Tu crois que je suis Walter White, moi? Ah bah écoute, c'est soit tu la vends comme elle est, soit tu la traites. Non, je la vends comme elle est, moi. Moi, je suis pas dans ça, moi. Tu la vends comme tu la veux, mais tu iras voir les groupes, etc. Mais non, frère, je t'occupe de ça. Moi, je suis. Comment ça, non? J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Mais moi non plus, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, toi, t'es un ouf. Tu veux te développer dans ce business, Céliane, prends ta cam. T'as deux choix. Soit tu la traites et tu la vends au Yankee dans la plage et tu t'en fous. Tu prends les dames blanches. Non. Ezekiel, t'es un fils de pute. Mais si, parce que moi. T'as deux choix. Non, mais regarde. Bah oui, mais attends, mais laisse-moi te répondre. Écoute-moi. Arrête de crier. Mais non, mais tu me fais que couper la parole. Tu vois que midi à ta porte et tu vois pas midi à ma porte à moi. Écoute. Moi j'ai un réseau de gens qui vendent aux gens à la fête foraine. Ça veut dire que c'est mon terrain à la fête foraine et nous on vend là-bas. Je suis pas un grossier, je suis pas un dealer qui va vendre je sais pas où et je sais pas quand. Ok, regarde ce que je te dis. T'as une tonne de dame blanche. La dame blanche elle est privatisée par tous les groupes, tout le monde la veut. Tu me suis ou pas? Regarde ce que tu vas faire. Ce que tu peux faire c'est que tu payes un mec pour qu'il aille te la traiter et moi je te la récupère un peu moins cher au pire. Regarde, je te répète ce que je vais te dire. Soit après tu comprends, soit t'arrives pas à comprendre. T'as deux choix. Soit tu traites ma cam et tu la vends au circuit de la plage et t'es bien. Soit tu prends la dame blanche comme je te la propose, les une tonne, et tu vas voir les gros. Ça se revend combien ça? Vu qu'ils ont plus de cocaïne, ça se vend cher ça. Tu connais les avantages de la cocaïne, c'est lié. Tu me la vends à combien moi? Tu me la vends à combien le gramme? Je te la vends à combien? Je te laisse faire les bénéfices. Et ensuite on fera un pourcentage. Non, je te la prends à 100$ le gramme. 100$ le gramme? Et on parle d'une tonne qui est même pas traitée, tu te fous de ma gueule ou quoi? 100$ le gramme, 200$. Non mais même pas 100$, parce que ça va être traité, ça va être divisé par 5. Mais ben si, bien sûr que toi t'as pas des pochons toi là. C'est pas des pochons, mais les dames blanches elle est vraiment. Non mais attends. 200$. Ah, c'est le genre que la drogue que les gens ils sniffent là pour. Voilà, et tout le monde la veut cette merde, tu vois pas? Une tonne de cette merde, tu la vends à un groupe, tu la vends au moins 200 000, 300 000, plus tard que sur le prix du marché. Je te la prends à 150 le gramme. Je peux pas monter plus haut, j'ai. Ah. 150 le gramme, cash. Je te rappelle, on verra. Vas-y. Mais je crois qu'on est en. Merde. Espèce de trou du cul. T'es un trou de balle là-bas. Ah, frangin, écoute, tranquille. T'as entendu Idriss? Non, rien, dis-moi. Bref. Ma joue. Qu'est-ce qu'il y a, frangin? Qu'est-ce qu'il y a? Frère, si c'est ton business de faire prendre la cab, la vente, ça te regarde, tranquille. Non, mais moi c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il le ramène à mon autre business qui est le concess moto. Mais je savais pas que t'avais le concess moto, moi. Et ok, mais Lamar, même si jamais, c'est encore pire. Trou du cul. Imagine, je suis en train d'acheter une bécane. Ouais. Tu me ramènes de la drogue devant le mec qui vend les concess qui vend des motos. Bah tu le tues. C'est quoi ton, comment tu t'appelles? Céliane. Je te l'ai déjà dit, tu m'as déjà posé la question. Céliane. Ah, j'ai mal entendu. Bon, Céliane. Ah, le hasard il fait bien les choses là. Comment ça? Tu sais que je devais récupérer ce concess. Ah ouais, c'est marrant. Hier encore, j'étais avec le président en train de parler, il m'a dit t'inquiète, le concess il est à toi. Hier encore, le président il nous a dit ouais t'inquiète, le concess il est à nous. Donc c'est un fils de pute qui raconte la merde.
Ah merde, attends. Ouais, non, c'est un fils de pute qui t'a baisé, moi c'est pas mon dos après. Ouais, bah écoute, tu travailles depuis longtemps ici ou pas? Au concesse? Ouais, c'est non, le patron quoi. Ouais, ouais, c'est Idriss le patron, c'est lui. C'est qui Idriss? C'est mon petit ref. Idriss, écoute, ouais. Bon, je sais pas si je pense que vous travaillez ensemble. Ah, je vais te proposer un truc. Ah, je vais pas te mentir, ça fait des années que tu vois ce que je veux dire. Que je travaille ici dans le concesse. Il en manque la marque. J'ai bah, énormément tu t'es dans l'autre voiture, t'inquiète, c'est tout. Moi, je suis avec l'autre dans le boulot. L'autre voiture bah, c'est pas ma vraie voiture, elle, tu vois, on l'a volée. Non, mais là, il y en a 100 là. Ouais. Et là, on en avait plus. Et là, il y a 0 là. Oh, oh, va aider Idriss là. Il y a un clochard qui veut travailler au concesse là. Idriss, il. Là, je t'ai mis 100. Clochard. Ouais, je crois là. Bonjour, bonjour. Ça va, Bader? Bonjour. Au calme. Au calme. Là, maintenant, je peux niquer des mères. C'est bon? Non, mais faut pas le niquer, juste faut l'aider. En fait, moi j'ai jamais vraiment géré de princesse, donc du coup, je sais pas combien il faut de personnes exactement. Moi, mais 3 personnes, je me dis, je sais pas, c'est assez. Mais moi, le truc, c'est que je dis, c'est que vu que j'ai travaillé dans le domaine et tout, je connais bien. Donc, on sait, quand vous serez pas là, je pourrais le gérer pour vous, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je te disais. T'as pas l'air d'être un biker, toi? Ouais, mais frérot, pourquoi tu bandes? C'est quoi, toi? T'es. Déjà, tu viens de. Regarde ton jean, pourquoi tu bandes? Ah, cousin, c'est l'excitation parce que voilà, ça fait plaisir de peut-être travailler dans le concesse, t'as vu? T'aimes beaucoup les mots. Oh, frangin, je t'explique. Avant le concesse, c'était mon business, d'accord? Maintenant, c'est plus, ok? Donc, le truc, c'est que s'il y a moyen de c'est bien retourner un peu dans le business à l'ancienne, voilà. Attends, tu gères bon, pas. Bref. Ouais, moi, ouais. Je t'ai dit, je passe pas par quatre chemins. Ton concesse, j'ai de l'expérience, je m'y connais, j'étais patron pendant plusieurs années à l'ancienne, tu vois. Donc, ça veut dire que si t'as besoin de quelqu'un pour le gérer, pour le monter, pour voir qu'il. Enfin, je sais pas, si tout se passe bien, si les ventes sont bien, pour recruter des gens, quoi. T'as qu'à mettre. Ton patron, un truc comme ça, bref, genre tu mets un truc et vous, vous resterez j'avoue, les boss. Et notre daronne aussi, mon cul, on te suce. Comment ça, ton patron? Mais t'as une preuve, tu gérais quelque chose, menteur. Il gère rien, lui, tu vois pas, c'est un mytho. Non, c'est pas un mytho, enculé. Si, t'es un mytho, toi, t'as pas une dégaine de biker. Ouais. Mais regarde frère, ta vieille coupe, ta tête, tu gérais quoi? Une dégaine de biker, toi? Et moi, Elpire, c'est qu'hier, j'avais une dégaine bike. Mais moi, j'ai jamais prétendu être un biker, moi, c'est ça la différence. J'ai jamais dit que c'était biker, vous avez juste dit que j'aimais bien des motos, je m'y connaissais. Vas-y, donc. T'as quoi comme bacon? Bah là, j'en ai pas. Donc t'es pas un biker? Tu sais pourquoi? Quoi? Parce qu'on me l'a réquisitionné, frangin. Comment ça? Ah, bref. Je m'en bats les couilles. Ah, Madère, tu l'as. T'as été bien celle-là. Putain, en plus, elle a bien été placée, mais comment tu t'appelles? Tu vas t'inquiéter, je la placerai à un moment ou un autre. Ouais, comment tu t'appelles? Vas-y, on va trouver une solution. Tu vois, la solution, c'est quoi? C'est tu vas niquer ta mère chercher un autre taf. Toi, dis-moi, à part lâcher des insultes, c'est faire quoi d'autre? Je sais, rien. J'ai te l'air avoir un conseil. À part lâcher des insultes, là, putain. Non, regarde, écoute, Jamon. Oh, ouais. Oh, t'as vu ce qu'on va faire? C'est que là, pour l'instant, nous, on va gérer nos trucs. Toi, si jamais tu veux une bécane, viens nous en acheter ce soir, là, on va faire une truc aux enchères. Tu vois? À quelle heure tu comptes faire ça? Je sais pas, dans la soirée. De toute façon, ouais. on fera des tweets, on fera de la promo comme jamais. Et ce qu'on fait, c'est que. Moi je te donne ma parole là-dessus, après Bader lui c'est un clébard, tu l'as bien compris, c'est le méchant. C'est ça Bader. C'est mon frère jumeau à gauche. Bader c'est lui là. C'est moi, t'as vu okay. Si tu un jour tu veux réaliser ton rêve, parce que c'est ton rêve un peu ça, tenir des mots, vendre des motos. Il a l'air passionné des motos, du coup moi ça, je me dis... Regarde, regarde. On va pas passer entre nous Bader, comment ça va pas. Oh Diamond, écoute, nous ce qu'on va faire, c'est que moi je te donne ma parole moi, après Bader et Idriss c'est leur dos. Et moi je te donne ma parole. La coupe aussi. Comment tu veux qu'on travaille? Laisse-moi parler, Bader. Frère, c'est un peu chaud. Mais regarde, si jamais. Tu fais avec ta petite sacoche là, tu fais le mec. Si jamais on doit embaucher quelqu'un, eh ben on t'embauchera. Bah, c'est bon. À quelle heure votre enchère? On sait pas encore, on doit aller niquer la grand-mère à la mare, un petit coup. Et après. Gros, tranquille, si dit. Ok, il a fait une erreur. Mais t'inquiète. Il a ramené toute la cam au concesse moto devant lui là, l'ancien là. C'est terrible parce que je lui ai envoyé un message, je lui ai dit vas-y, viens là. Ouais. Ah, il a poussé son essai, il m'a dit de l'amener. Écoute, il a fait une erreur, tranquille, c'est un bon gars. Oh, là, vous pouvez compter sur lui, tu vois. Non, mais en tout cas, plus sérieusement, écoute, on te laisse. Tu as rédigé un CV. Et une lettre de motivation. Voilà. Et tu l'envoies à ma secrétaire. Ouais. C'est Idriss, son secrétaire, c'est Idriss. En fait, t'as vu, tu ne seras pas avec ton ton un peu arrogant. Ouais. On dirait que tu veux nous faire comprendre, nous on est des merdes. On sait pas le gérer, toi tu sais le gérer. Non, j'ai dit si vous avez insinué gentiment. Non, il a dit gentiment, Bader. Ouais, voilà, avec du vice. Eh, vas-y, ferme ta gueule, tu casses les couilles, toi là. Yo, t'es là. Ça, Wall, quoi? Je vais te mettre un coup de tête, toi là.
C'est okay. très. Moi, j'ai que moi et la bagarre, ça fait un. Fais ah, très bah, attention deux, à comment tu parles. Okay. Très très attention. Fils de pute, Lamar, fils de pute. Ah ouais, Lamar. Mais arrête de me la joue là. Ça va gonfler encore. Non, mais. Vas-y, bah, Jason. Voilà, je tu l'as sorti. Voilà, je m'attends à un moment. Moi, c'est mon frère qui l'a dit. Moi, t'inquiète, je suis pas. Moi, je suis mature. Je suis un peu le mec mature, tu vois, de la bande. Ta grand-mère, fils de pute. C'est bon. Oh, Sofia. Ah, va gonfler, ma chou. Et Joe Max. Les motos, tu vas faire quoi? Oh, non. Faut jamais graisser. Si tu vas soulever, frère, wesh. Ta veste gonflée à la mort, là. Eh, frère, il est habillé comme dans les années 90, frère. Tu vas gonfler, toi. Ah, en fait, je sais pas pourquoi je te frappe pas. Oh, respecte les anciens. Il se tape comme à l'ancienne. Moi, je suis pas d'air, tu vas perdre. Wesh, Bader, fais pas honte à la famille, Comme papa, voilà. Bader, c'est maintenant avec moi, me bat avec ma tête et ça les tue. Allez, nique-le, wesh. Derrière toi. Oh non, non, mon dieu. Je crois que l'ancien a raison. Tu vois ce que je dis. Ouais, mais attends, retape mon frère, tu vas voir ce que je vais te faire. Retape-le. Merci à Kitox. Bader, mon frère. T'as un mois à dire, je le démarre. Un mois à dire, Bader, mon frère. Non, tranquille. Bader, dis-moi. C'est bon. Je suis choqué, Bader. Voir la lumière. Cousin, t'as pas un petit truc à mettre, un pansement, un bandage, je sais pas quoi. Ouais, tiens, mon frère, tiens. Voilà, fils de pute, putain. Non, c'est bon, c'est je t'oblige avec là. Stop. C'est bon. Ah oui, il est grave, mature. Stop. Mais quoi, tu crois que je suis un EMS, moi? Va à l'hôpital, frère. Ah ouais, ça sert à quelque chose que vous êtes ton sahab, ton frère m'a frappé ou ton pote, là, je sais pas quoi. Mais moi aussi, je te frappe. Mais wesh, je veux pas tomber, l'ancien. Il veut pas tomber, l'ancien! C'est sa veste! Aïe! Voilà, mais c'est quoi ce crâne, Sahbé? Wesh! Enfin! Oh, il est. Eh, il est solide, l'ancien! Mais comment ça, l'ancien? Il a quel âge? Non, mais en vrai, toi, tu nous as pris. Je sais pas, frère. T'as hiberné et moi, j'ai. Ouais, bah oui. Oh, regarde, viens. Bon, vas-y, l'ancien. Allez, on se. À quelle heure ton truc, tu m'as pas dit? On se capte après. Vas-y, viens. Je vais, je sais pas, on a, même nous on sait pas, même nous on sait pas encore. Vas-y, je ferai un tweet, vas-y l'ancien. Les trois. C'est Noël. Ils m'ont tout niqué. C'est Noël, venez. Wesh, ça va ou quoi, Cédian? Ça va, James? Let's go. Oh, prenez ce qui reste dans la voiture. Idriss ou Bader? Non, pas vous, les oranges, pas les oranges, vous êtes pas des oranges. On va leur donner. Les frères, là, dans les cartons, il y a de quoi refourguer tous les clients. Il y a votre avenir là, là-dedans. Ok. Il y a ce qui va vous rien, faire là, sortir vos darons, ce quartier de merde. On a plus d'armes, on a rien. C'est pour ça, les gars, faut se refaire. Oui, c'est vrai, tu vas la vendre. Mais on n'a pas perdu la guerre, ok? On a perdu une bataille. Mais pas la guerre, les frères. Motivation. T'as bien raison. Prenez ce qu'il y a à l'intérieur et allez vendre. Un trou, on vous nique vos grand-mères. On doit en avoir. Alors attendez. Venez tous, je vous pose les règles. Je vous pose les règles avant que vous preniez. Me touche pas, touche-moi pas. Okay. C'est bon, y'a tout le monde là? Ouais, y'a tout le monde. Ok. 3, 4, alors, je vais vous poser les règles. On a exactement 300 pochons à faire partir là, ok? Pochons de quoi? Okay. Pochons de cocaïne. Ok. Ok? Ça veut dire que moi je sais que le pochon il part entre 400 et 450 dollars. Vous allez pas me la faire. Jusqu'à là, vous me suivez? Oui? Ok. Ça veut dire, vous, si jamais vous faites partir à 500, à 600 ou quoi, c'est votre dos. Moi, ce que je veux récupérer, enfin, ce qu'on veut récupérer, c'est 350 par pochon. Ça, c'est notre part à nous. Le reste, il est à vous. On est bien d'accord? Des contestations? Ouais. J'ai pas compris. Attends, il y a. Nous, on prend quoi dessus là sur le pochon? Vous prenez. Moi, non. En fait, moi, je prends 350 et vous prenez tout le reste. C'est-à-dire, si jamais t'arrives à la vendre 700, c'est ton dos. Moi, ce que je veux récupérer, c'est 350. 350 balles sur 20 balles. On était pas associés pendant un moment. On est associés, mais là, c'est ma cam. Quand on aura notre cam à nous, on négociera notre tarot. Pour l'instant, c'est ma cam. Si jamais tu veux pas, je prends notre équipe et ils vont vendre. Vas-y, si tu veux, on a plus rien de toute façon. Voilà, exactement là, merci. Moi, j'en ai 100. La même. Et Lamar, il en a 100. C'est parfait. Donc, ça veut dire, moi, je vais vous. On va vous donner 300. Donc nous on veut récupérer 350 fois 300. Je vais récupérer 5000 dollars. On est bien d'accord, hein? Vas-y. Si jamais vous faites 120, c'est votre dos. Si vous faites 160, c'est votre dos. Si vous faites 200, c'est votre dos. Quoi qu'il arrive, moi je récupère 105 pardon, et vous récupérez le reste. Vas-y, si tu veux. Est-ce qu'on est bien bon? Est-ce qu'on est bien d'accord? Ouais. Si jamais, imaginez James le petit fils de pute, d'accord? Ouais, 350, moi je veux récupérer 350 sur le pochon. Si jamais, admettons, James le petit trou de balle, il se balade avec 40, OK? Il a 40 pochons sur lui. Il se fait péter par les flics, il perd les 40 pochons, c'est pas mon dos. À la fin, je veux 105 000 dollars. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ouais. Si jamais on reste simple comme ça, on se perd pas. Si jamais vous commencez à me faire des trucs bizarres, si jamais vous perdez la cam, si jamais vous faites attraper, si jamais vous la sniffez, je m'en bats les couilles. À la fin, je veux 105 000 dollars. On est d'accord? Vas-y, bah,
Ouais, mais je vais entendre chef, oui chef. Non, pas chef, oui chef, pas chef, oui chef. On est associé. Associé, oui, associé. Devant les Mayans. Là, si on retourne à l'hiérarchie interne, t'as capté? Ouais, hiérarchie externe, ouais, t'es le boss avec les autres. Ouais, mais entre nous, oublie pas d'où tu viens. Ouais. C'est bon pour vous? Allez, venez, servez-vous. C'est que le début, les frères, comme je vous ai dit. Là, servez-vous, on vend ça, mais bientôt. Allez, venez dans la mallette. Pas rester branché. Combien on va récupérer, nous, comme dollars? J'ai oublié. 100 000. 105 000. 105. Un zéro, un cinq. Cours de main, toi, tu me prêtes ton, ouais, ton carton? Moi, je vais l'acheter, cette sacoche. Vous l'avez saigné, j'ai la haine, vous voyez. Non, mais prends le carton. Idriss, viens, on va acheter la sacoche, non? Mais yo, et tout le monde là. Tripote pas trop si je suis pas ton petit, tu vois. Non, désolé, mais t'es un peu gros, c'est un peu compliqué à trouver les pochons. Yo, je suis pas gros. Toi, t'as pas le droit de dire que je suis gros, man. Je suis pas une lobe, ça, yo. Ah, c'est bon? Désolé. T'as récupéré? C'est bon? Ouais, j'ai récupéré. C'est bon. Nickel. vas-y, carré. C'est bon, les frères? C'est bon? C'est bon. 105 000. Eh, si il y a besoin. Les gars, écoutez, je vais. Là, on va se parler le bon carry. Nous, on va s'occuper avec mes refs de récupérer un bail à une tonne. Qu'on soit bien clair. Et s'il te plaît, Soso, change de chariot, frère. Tu veux nous faire remarquer? Tu veux les filles qui passent? Ils pensent qu'on a des accords? C'est beaucoup là, non? C'est déménagement. Frérot, c'est pas un déménagement ça. Oh mon ref, là on va négocier des bails à une tonne. D'accord? Donc si jamais vous faites ça bien, on vous remet dessus. Si jamais vous faites de la merde, on vous remet pas dessus. Ok. C'est bon? 105 000 dollars on veut récupérer, on est bien d'accord hein? Ouais, c'est ça va, 50 000 dollars. Attends, tu veux qu'on fasse les présentations toi et moi? Tu veux faire le. Non, t'as dit 50 000. Non, j'ai dit 105. Ok, c'est bon. Vas-y mon champion. Allez, on y va, on va faire ça. Aïe, voilà, ça c'est bien. Vous êtes chez nous là. J'ai mûri. Nique ta mère, Soso. Quoi, j'ai mûri, juste, je suis ferme. Il a mûri en une journée, il s'est rasé le crâne, ça y est, il s'est devenu Michael Scofield. Une balayette, les idées sont remises en place. Dis-leur la marque. Non, mais faut que ça tourne, faut que ça. Peux monter devant. Faut que ça tourne là-bas derrière, vas-y, monte devant. Yes. Et quoi, vas-y, va devant, va. Faut que ça tourne là, on a pas assez de fric, frère, on est là, à part chercher les emplois et tout le monde. Vous avez utilisé le plan sous des bijoux. Eh, t'as des balles pour moi? Ouais, vas-y, j'en ai pas beaucoup. Oh, j'ai des balles pour toi, fils. Il est là ou pas ton frère Célian? Non, il est pas là. Viens, j'ai des balles pour toi. Attends, lui, faut pas qu'il me voie, lui. Ah ouais, mais Lui, c'est j'ai pas des chances. J'ai oublié ce que j'ai fait hier. Putain, merde. Bah oui, frère. Ah, il est recherché. Après, il sait que c'est toi? Il t'a vu lui mettre le coup? En fait, j'étais obligé. Idriss, il a failli mourir pour moi et moi, je dois pas faire ça. Juste que tu me baffes un fils de pute. Ouais, mais là, j'allais. Idriss, là, ça allait pas mourir. Si c'est à refaire, je le refais. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Ouais, mais si c'est à refaire, je le refais. 10 fois, 15 fois, 20 fois. Ouais, mais il allait pas mourir en gros là. Par contre, quand Ezekiel lui a mis un coup de couteau, t'as rien fait, espèce de salope. T'es avant qu'il se fasse, t'es quand ça? Je m'en rappelle plus. Bah, tu veux que je fasse quoi? Ils sont 10. C'est vrai, putain, Idriss, t'as vraiment porté tes couilles, putain. Non, Idriss, rappelle-toi, t'inquiète, un jour je vais te choquer, tu vas voir. Mais je vais te choquer, je vais mourir. C'est pas la peine de vous descendre, ouais. Grosse casquette. C'est toi, t'es gros. Ou ta mère, chap. Envoie des balles, Lamar. Ouais, t'inquiète. Mais pas parler de ma maman, d'accord? Moi, je suis gentil, mais j'en ai pas beaucoup des balles. Au concert avec un ancien. T'as ramené l'autre fils de pute. Mais prof, l'a paniqué. Prof, vous dites l'ancien. C'est quoi? C'est qui l'ancien? Il a quel âge? J'ai ramené la cam, pas un autre lien, d'accord? Bah oui, mais l'autre mec, c'est pas cool. Moi, je t'ai dit la cam, donc c'est ramène toi. Tiens, j'arrive pas à mettre de l'essence. Je dois combien de. J'en fais plus de toute façon. Mais Zabi! Attends, j'arrive pas à mettre. C'est maintenant que ça marche. William Cartier, c'est Liane. Je crois que c'est le Condé, hein. Le Condé que t'as assommé. Dit, c'est Liane, t'es où? En fait, ce qui est bien, c'est que c'est moi qui lui ai niqué sa mère, mais ça retombe sur toi. Bah ben oui, ça retombe tout sur moi. Ah là là, eh ouais. Attends, mais il y avait les. Rasé les cheveux? Ouais, j'ai rasé mes cheveux, j'en avais marre du blanc. Ah, tu vas faire une peinture. Putain, il a tout rasé d'un coup, ses cheveux longs. T'as mis combien de mois à les faire pousser? Ouais, mais je me suis fait un. T'as vu, j'ai essayé de me faire un dégradé tout seul. J'ai pas trop réussi. Bah, mais ouais, c'est. Je sais pas quoi faire, frère. C'est chaud quand même. C'est pas grave, ça repousse. Juste le blanc, ça me dégoûtait. Moi j'ai le coup point du feu donc. Ferme ta gueule toi. Et c'était trop abîmé, tu vois, pour que. C'est pas des. Genre là, Los Santos, c'est à vous du coup. C'est les témoins de Jéhovah? Ouais, ils veulent nous vendre une terrasse. Monsieur, c'est. Ils veulent faire une terrasse, je crois, sur le toit. Monsieur, c'est notre terrain. C'est notre propriété. C'est les témoins de Jéhovah, les gars. Salut Bob. Bonjour, monsieur Gradubide. Un grand parking ici. Vous avez là, vous avez acheté notre quartier comme si vous alliez chez l'épicier, genre. Attends, expliquez, qu'est-ce qui se passe? On voudrait acheter tout ce terrain. Ah bah non, on le vend pas avec parking. Allô? Allô? Ouais. Allô, ouais. Ouais. Tu m'entends pas? Des armes en moins et toi tu veux pas acheter le quartier? Attends, mais ils veulent acheter le quartier ou ils veulent le vendre? On veut pas du tout. Non, mais vous voulez l'acheter combien? Eh, c'est notre bâtiment C ça, tu touches pas! On veut le bâtiment C, yo, je connais. Ouais, vous avez pas honte là. Yo, la misère est belle. Tirez-vous d'ici là. Non, mais attendez. Oh, les Jéhovah, vous voulez quoi en gros?
Alors, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah. Nous sommes de la communauté des amis. Mais nous sommes prêts à acheter vos tours pour vous loger gratuitement. Bah, attends, mais c'est bien, non? Ah, bah, c'est bien. Non, mais c'est à l'heure, il a dit. Déjà gratuitement. Mais t'es propriétaire, toi, ou t'es locataire, fiche de pute? Je suis propriétaire, tout est à moi ici. C'est moi l'agent IMO. Bah, il se. Ah, vous êtes un menteur. Je te jure que c'est à moi. Je m'assure, c'est grave. Vous assure que c'est à moi, tout est à moi. Va sortir les documents. Ok, j'arrive tout de suite. T'as le même pull depuis 2008, comment ça, c'est à toi? Non, franchement, appelez monsieur le. Je vais récupérer ses papiers et comme ça, c'est à nous. Oui. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Mais chef, là, pourquoi vous voulez ce quartier en particulier? Bah, pour en faire une cathédrale. On rachète un peu trop. On a acheté aussi la seigneurie de Underwood. Fais une mosquée à la limite si tu veux. Fais une mosquée. Si tu fais une mosquée, vas-y, on te le vend. Vas-y. Mais non. Bon, écoutez, fais-nous. Mais je sais pas. Il allait dire un truc de fou. T'allais dire un truc de fou. Ma mère, j'allais rien dire. j'ai juste dit que voilà quoi. Tu vois pas, les Mayans, ils viennent, ils tirent tout le temps. Ça jette des cocktails. Tu vas pas faire une mosquée là quand même. Il y a des tags. Ici, ça suce. Je veux pas le faire. Cassez-vous de chez nous, là. Frappe le petit frère. Petit frère, frappe-le. Oh, ils sont tous loin. C'est la caille ici, la caille. C'est là, je peux te prendre à boire. Viens, toi, à boire, s'il te plaît, man. Non, j'ai pas. Putain, il a déchiré mes papiers. Mais mec, je fais comment? T'as pas un double? Tu l'as pas en fait? Ouais, t'as pas un double. Je sais pas, moi, faut que j'y vois. En ce moment, regarde. On s'est perdu toutes les armes, on a perdu la guerre. On vient de prendre le quartier. Oh, elle est à qui la voiture là? La voiture là, elle est à qui? Les gars, cette voiture, elle est à qui? Non, c'est pas là. Peut-être c'est un ça mec qui habite ici. Ouais. Il nous reste que l'islam, après on a plus rien. C'était qui déjà qui avait peint le mur là? Wesh. Quel mur? Celui-là là? La fresque à gauche là. Ouais. C'est Idriss. Ça c'était. Ouais, c'était moi. Ah bah vas-y, bah pas de Renault, tu peux y aller. Hein. Ah bah viens avec moi, ta grand-mère, viens. Comment ça, ta grand-mère? Tu sais que s'il le touche, elle va repartir en guerre. Déjà, ouais. T'as envie de faire ça? Mais c'est qui lui? C'est l'ancien. Pas t'expliquer, c'est un ancien. Ok, mais s'il le touche, ça va repartir en guerre. Vas-y, c'est bon. Pars à la place d'Idriss, mais c'est bien. Ouais, vas-y, en vrai, c'est Bader. En vrai, c'est Bader qui a tatoué. C'est Bader qui a tatoué. C'est moi, la vie de ma mère, c'est moi. Vas-y. C'est toi, hein? Ouais. C'est parti. Il le touche, ça part en guerre. Oh, toutes tes grandes menaces. Pourquoi il veut le toucher? Je suis pas, on a le même âge, t'inquiète, regardez pas, vous inquiétez pas. Ça va se régler, restez. Bon, on peut parler ou vous allez vouloir assister à la bagarre qui va pas tarder à arriver? Ah, donc il va y avoir une bagarre. Ton bandana, tire le gnou. Ça va, Idriss? H24 The Bee. Si on vous file une tonne à 150$, tu te fais un bénéfice de 500 000$ dans tous les cas. Nous, on se fera un bénéfice de même pas 100 000$. Et vu que c'est nous qui te fournissons la cam, tu comprends qu'on doit aussi prendre un gros pourcentage. Vas-y, on va te la prendre de 150 000$, c'est bon? Non, t'as pas compris. Si non, mais déjà, ta cam, on sait même pas si on peut la vendre. C'est-à-dire, elle est pas en pochon, c'est de la cam de merde. Soit tu la vends à des groupes. Oui, non, mais je sais, j'ai compris ce que tu vas me dire. C'est bon, tu vas me répéter tes mêmes. Voilà. Ton même charabia, le problème, il est pas là. C'est de la cam que les gens ils sniffent quand ils vont se battre. Ça leur donne la sephore. Ça leur donne la sephore. Tout le monde la veut. Ouais, mais une tonne. Est-ce qu'on a vraiment envie qu'il y ait une tonne qui circule en ville? Vous entendez? Moi j'ai aucune idée de combien je vais la vendre ta cam de merde là. Oh, attends, j'ai un domac. Merci. Attends, ouais, moi aussi. Arrête. Ouais. Ezekiel, moi ta cam, je sais pas comment je peux la revendre. Et j'ai aucune garantie, se trouve tu me dis ça et se trouve j'ai pas. Mais c'est des risques à prendre. Non, moi non. Ma cam elle traîne. Maintenant, je te propose une cam qui se revend quand même. Merci très bien. Au niveau des groupes, pour les Yankees de Los Santos, je vais pas te le cacher, c'est pas des pochons donc ils vont s'en battre les couilles. Mais c'est de la cam que pas tous les groupes ne peuvent avoir. Et comme je te dis, je te laisse le temps de vendre. C'est-à-dire, soit tu me la rachètes, tu vas pas vendre une tonne en 2 jours, ça c'est sûr. Tu vas écouler une tonne en 1 semaine, 2 semaines. En fait, le truc c'est que nous on a un réseau pour vendre les pochons, tu vois. Et encore une fois, ouais, ça fait. Ta cam de merde. Eh ben, je sais pas comment je vais la vendre. Ça se trouve, tu me dis, je vais la vendre 600. Quoi? 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 J'ai entendu nique ta mère, Céline, fils de pute, ouais. Ouais, la même. J'ai de la cam pour vous là, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Quel genre de cam? De la cocaïne. C'est quoi tes tarots dessus là que tu voudrais mettre? J'en ai beaucoup, hein. Combien? J'en ai, j'ai de quoi te mettre bien. Tu te doutes bien que j'en ai jamais acheté, moi je sais pas, tu me dis. Vas-y, ben, dis-moi, renseigne-toi avec tes collègues et tu me tiens au courant. Vas-y. Allô? Oh, j'ai de la cam là pour vous. Ah ouais? Ouais. De la bonne cocaïne pas coupée. Celle que tu m'as fait goûter l'autre jour là? Non, c'est d'ici mais juste pas coupée quoi en gros. Ok, ouais, ça peut m'intéresser effectivement. Combien tu me le prends? Ça dépend, y'a quoi comme quantité là? J'en ai beaucoup, j'en ai plus que je pense que ce que tu peux mettre. 250 unités, ça te va? Ouais, combien tu me la prends à combien? Bah je te prends
Je sais pas, là, je te prends 200 pochons. Ouais, mais à combien le pochon tu me le prends? 250 unités. Mais jamais de la vie, hein, mais ah, mais tu es fou! Attends, mais t'as voulu. Mais t'es sérieux, Latrix? Depuis quand on veut se baiser, toi et moi? Eh, man, je sais pas de quel cam il s'agit, moi. Eh, de la bonne. C'est pas du pochon, hein. C'est de la sniffable direct. Elle te met bien. Sniffable direct. Elle te met bien, t'as l'énergie, t'as la frappe. La frappe à pato, t'as quand tu l'as sniffé. Ouais, mais moi, ça, tu connais, hein, moi, je m'aurais pas dans le nez, moi, c'est pour la vendre, hein. Ouais, mais tu l'as. Dans la rue même. Non, ça se vend pas dans la rue, ça. Les Yanklar, ils en veulent pas. Ah ouais, non, ça m'intéresse pas, moi. Non, je te vends pas. Moi, je prends pas de la coke, hein. Je suis un fils de pute comme. Mais tes gars non plus? Non, en vrai, je peux t'en prendre si tu veux, pour que toi ça te mette bien, mais je t'en prends pas beaucoup. Ça m'intéresse pas, je suis pas un coke. Tes gars non plus? Y a certains qui en prennent un petit peu, mais sans plus. Ok. Je peux t'en prendre, vas-y, 50 si tu veux, pour te. Vas-y, c'est bon. Je te tiens courant. Ah, comment on fait pour entrer dans votre club? Mais frérot, personne veut toucher la cocaïne en fait. Y'a que vous qui touchez à ça. Attends, Céline, y'a peut-être un truc. Mais what the fuck, on me répond jamais. T'as dit quoi, Céline? Qu'est-ce qu'il y a, Lamar? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais savoir comment qu'on fait pour entrer dans leur club. Faut tenir sur une moto, Lamar. Un peu de sport et tu seras bon. Quand tu pourras tenir sur une moto, peut-être. Sur la voie. Moi, j'aime pas la moto. Y'a un poids maximal pour rentrer. Moi, j'ai déjà vu des bikers gros. Ah bah. Là. Je sais pas où on va le catégoriser là, Lamar. Regarde, parce que les gens ils ont pas l'air d'être super intéressés. Donc je vais m'enseigner et je te tiens au courant. Ok, deuxième option, on peut te mettre de la bleue. Donc du coup, de la méthamphétamine. Un pochon aussi ou? Exactement, elle sera déjà en pochon, oui. Elle est déjà en pochon celle-là. Ouais, ça m'intéresse, combien? Vas-y, Dante. 350 unités et à la revente, tu te fais entre 570 et 600. Alors, aujourd'hui, on est capable de vous en fournir 600. Maximum. 600 et je te la prends à 300. Je te les prends cash. Combien le prix au total? Tu vas devoir payer 180 000. 180 000? Ouais. C'est bon pour toi? Ouais. Passez dans la soirée, on vous enverra une position. On vous ramène l'argent et on ramènera la drogue de notre côté. C'est à vous, je dois retourner sur toi. On a envie de prendre un deuxième casque. On va passer, c'est vraiment culotté de votre part là. Vas-y, c'est bon. Et j'avais dit quoi? J'avais dit si tu touches à mon frère, on fait comment? Il a touché? Non, mais c'est moi, je l'ai touché, mais bon. Il t'a niqué à la fin. Ouais, c'est toi qui m'as. Ouais. Ah, regarde, je suis revenu avec un casque. Il est revenu avec quoi? Oh là là. Ah, ouais. Hein? Pourquoi il a du mascara? Ah, non, mais laisse faire des affaires, c'est qui? J'ai ses lunettes, j'ai tout. Pourquoi? Ah, oui, ok, d'accord, le casque. Ça s'appelle du racket. Mais t'aurais dû lui prendre son mascara aussi. Quel mascara? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Autour de tes yeux là, le mascara rouge. Y'a aucun mascara. Du coup c'est toi sur l'affiche, c'est toi la tête de fils de pute là-bas là. Écoute-moi bien, si tu veux pas que je te froisse ta grand-mère comme je viens de le faire, et tu m'as demandé de pas dire. Non, tu mens. Tu pourras plus le froisser, il a un casque maintenant, ça le protège. Ouais. Et ouais, bouffon. Et moi je suis revenu en te portant et je t'ai déposé là, blessé. C'est moi, je t'ai niqué. Bon vas-y, on se casse. Ciao les Mayans. Vas-y, ciao. Lamar, la voiture elle est où? Elle est où la voiture, Lamar? Elle est où? Hey, tu sais bien où elle est, man. Elle est où? Ta daronne, ouais, c'est à la maison là. Quand tu l'as perdu. Ta daronne, c'est la mère. Là, regardez, votre daronne est vide. Ouais. Oh, c'est Lian. Ouais. Tu t'entends comment avec les balances là, à l'heure actuelle? Neutre, ouais. Tu penses que si tu leur envoies une pause pour un rendez-vous, ils viendraient ou pas? Ouais. Parce que là, j'en ai marre, cousin. Ça fait deux jours, on les chasse, ils font que se cracher, c'est insupportable. Donc j'ai envie d'en finir une bonne fois pour toutes. Donc, si ça te chauffe de participer, après peut-être que tu peux te mettre dans la sauce avec ça avec les balles. Ouais, je m'en branle, vas-y, je te tiens au courant. Le prospect, t'es une merde. Lamar, va chercher la voiture, je vais péter un câble. T'es nul. Mais yo, la voiture elle doit être à la. Tu te l'es fait voler, c'est ton dos. Allez, va chercher une voiture. T'es un bâtard avec Lamar. Non, mais Lamar, je me l'ai pas fait voler. Mais t'enchaînes ce soir, Lamar. Mais où est-ce que je peux aller chercher une voiture ici, man? Y'a pas de voiture là. Fallait mieux la garer, si j'avais mieux garé, elle aurait pas disparu. Elle était garée là, man. Oui, bah ouais, bah voilà. Quelqu'un l'a volé, c'est ta faute. Tu vois, lui il est intelligent, regarde. Il vole une voiture. Ça, c'est un bon gars. Il vole une voiture à une vieille dame. Attends, mais là il a une 4 places là. Oh merde! C'est le keuf! Descends, fils de pute, descends! Cavale! Je crois que je vais m'arrêter parce que c'était un keuf. C'est ta mère, va là-bas. Conduis, attends, conduis, je conduis pas moi. Hey! Ça t'apprendra à nous pister, fils de pute. Allez, monte, ouais! Allez, on tire à pied! C'est ouf! Moi je braque à la première. Le hasard fait quand même bien les choses, bordel! Eh, passant, pas passant, nique ta mère, t'as le même traitement! Voilà, lui ça. Il a cru que ça volait les véhicules co. Bref. Maintenant le flic il est à pied, yo! Eh yo, voilà, pour votre enchère, vous allez. Le pire, Lamar, je te dis quoi le pire? J'avais pas une seule balle.
Moi aussi, mais si t'as 9 balles, arrête. Non, je les ai ouais, mais elles sont parties, enfin, je les ai perdues, quoi. Mais Léo, j'ai pas moyen de leur mettre des balles là. Écoute, hey, j'appelais ta Lana, c'est la reine des salopes, j'ai jamais vu ça. Yo, man, je t'envoie des quoi. Eh, hey, Idriss, Céline, vous allez choquer. Pourquoi Lala quoi Lala elle m'appelle, elle me dit chérie. Allô t'es un balas. Oh, mon ref, je sais pas si t'étais là la dernière fois, j'étais venu dans au LTD acheter de la cam. Non, j'étais pas là. Attends, c'est qui toi? Toi, t'es qui au téléphone? C'est Marlon. Ok, Marlon, j'ai encore besoin là. Ouais, mais là, on peut pas là, on est très occupé là, on est sur des gros bails. Ouais, mais le client est roi, mon ref, donc trouve une solution et rémunère-moi avant que j'aille voir les Families ou les Vagos. Eh ben, va voir les Families. Mais t'es sérieux ou quoi? Ouais, j'étais pas un businessman toi? Des clients, j'en ai. C'est pas ce qui manque. Et je te dis que là, c'est pas un truc de merde que je suis en train de faire. Je te dis que je peux pas te servir. Frérot, t'es Batman ou quoi là pour être aussi tendu là? T'es en train de sauver le monde? T'es en train de sauver le monde? Eh ben, nique ta mère et donne-moi ma drogue! Allez, tu dis nique ta mère un bras droit, t'inquiète pas. Mais je dis nique ta mère même au bras gauche, donne-moi ma drogue! Donne-moi ma drogue, je veux ma drogue! Je veux ma drogue, je suis un drogué! Putain. Vas-y frère, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Il m'a dit on est très occupé là. Je lui dis quoi, t'es en train de sauver le monde? Il m'a dit non, je fais un truc. C'est Marlon. Il m'a dit je fais un truc super important. Mais je te jure, hein, si tu savais à quoi il est occupé, man, il fait des allers-retours entre la frontière et la raquette. Genre. Ok, attends, j'arrive. Regarde, j'arrive à la raquette. Venez, on va à la raquette. Elle a pris du temps, la cousine. Ah, elle a voulu aller à GS là? Ouais, parce qu'en gros, Trix, il veut qu'on fasse sortir les Families. Ah, ok, vas-y. Les Ballas, pardon, les Ballas. Et là, j'ai appelé Marlon, le bras droit. Je lui ai dit, ouais, on veut de la drogue. Il m'a dit, ouais, mais là, je fais un truc très important. Du coup, j'ai dit, ben moi, je veux ma drogue et tout. Donc là, on va se faire passer pour des drogués. Et en mode, on veut notre drogue et on va essayer de les faire en sorte qu'ils aient assez la haine pour qu'ils nous poursuivent et qu'après ils sortent et ils se fassent baiser par les. Ah, les donc c'est pour les Families qu'on fait ça. Voilà. Ok. Ma drogue! Ah, c'est là, il est là. Oh! C'est Marlon ça? Oh, la drogue là, la drogue! Oh, on a besoin de drogue! Mec, donne ma cam, je te suis! Comment ça, tu t'en fous? S'il te plaît. J'ai appelé Marlon, frère, il m'a dit non. Eh, Lana, malheureusement. Mais des pochons, tu veux? Ouais. Donne-moi ma cam. Pas, faut, je demande à mon grand. Sale biais, je demande à Marlon. Et arrête, respecte-toi! Vas-y, je l'appelle. Est-ce que je fais bien le toxico? Ouais, tu le fais bien, Un petit peu trop, peut-être même. Okay, bah, non, là c'est hors travail là. Je vais juste voir. Bah là, je vais faire un petit truc, je te mens pas, je sais pas. Juste une photo de toi, juste tu fais un petit selfie que je vois à quoi tu ressembles. Je t'ai dit, on va aller voir ou pas, Blaze? C'est toi, Marlon? C'est pas moi, Marlon. Je veux de la drogue. Ah, c'est bien. Il y a d'autres façons de demander. Comment ça? Est-ce que je pourrais éventuellement, dans une possibilité, avoir de la drogue, s'il vous plaît, monsieur? Ben, je veux de la drogue, s'il vous plaît, monsieur. Mais attends, mais moi, je suis pas un Yankee comme ça, moi. Moi, je suis un mec qui achète beaucoup, hein. Je veux pas trois pochons, hein. Je suis déjà venu, hein. Vas-y, il est là-bas, Marlon, là, dans la tulipe. Ramenez la drogue, les gars, on va commencer à... Marlon! Ça vous a pas suffi, les 80 000, bande de bâtards? Comment ça, les 80 000? La dernière fois, quand même. Ah oui, je m'en rappelle de toi. Marlon, mon ref, viens, on fait la paix. Ouais, c'est ça. Je te braque ta grand-mère, roule! Roule, je te braque ta grand-mère! Roule, je te braque ta grand-mère! Roule! Il y en a un qui sort un pétard, je l'allume! Roule! Eh, je vais buter Marlon! Je vais le buter, hein! Je vais le buter! Roule! Eh, Idriss, il vient avec nous, sinon je mets une balle dans le crâne! C'est une mauvaise idée! Très mauvaise idée, y'a quoi maintenant? Eh, tu m'allumes, je l'allume! On est deux, mon pote, on va l'allumer! Recule, je veux pas que j'allume! T'es sûr que tu veux que j'allume? Recule! Mais recule, je veux pas que j'encule Marlon. Si tu veux pas que j'encule Marlon, tu recules. Et attends. Eh, il va rouler, sinon je lui mets une balle dans le crâne. Tu vas crever les pneus et il va prendre une balle dans le crâne. Les gars, dis à l'autre, il monte dans le coffre. Laissez faire, ça va bien se passer. Je veux juste ma cam. Il est où, mon petit ref? C'est bon, il est parti, t'inquiète, vas-y, roule. Il est parti? Voilà, roule, mon champion. Eh ouais, Marlon. Elle est où, ma cam, Marlon, mon ref? Marlon. Ah là là, très mauvaise idée. Marlon, elle est où, ma cam? J'ai pas de cam pour toi là. Là, je suis sur des bails, là, tu comprends pas ça ou quoi? Je suis sur des putains de bails pour sauver mon quartier. T'es dans quoi, mon ref? Ouais, pour mon quartier, là. J'ai pas le temps de te donner de la cam. Mais frérot, moi, je veux tout ce que t'as. Regarde. Non, il braque qui là-bas? C'est quoi là? Attends, bouge pas. Roule. Je sais pas. Moi, je veux juste ma cam. J'ai pas le temps de te donner de la cam. Moi, je veux ma cam. Là, tu te débrouilles. Là, je suis en train de te quebra.
je suis en train de te kebra, ça veut dire que là maintenant soit j'ai ma cam, soit je vous bute tous. Mais non, mais pas maintenant, mais pas maintenant, mais par pitié. Mais je suis déjà en train de le braquer. Non, 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 je le braque déjà. Allez, descendez tous de là là. Non, non, non. Mais je suis déjà en train de le braquer. Ouais, descends ta grand-mère. Venez, venez. C'est pas un jeu là, c'est Lyon. T'as fait la part du boulot. Je fais péter un câble. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, descend. Non, 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 hé, hey, je veux ma cam. Une gosse aide. Ouais, ta cam. Ouais, t'es chaud, gras du beat. Vas-y, mon frère. Marlon, prenez leur arbre. Oh, on vous revaudra ça, vous trois, non. Mais comment ça, tu vas rien me revaudoir? Je veux ma cam. Comment ça? Je veux ma cam, moi. Moi, je voulais lui voler de la... je voulais lui voler sa cam, ce fils de pute. Il a de la cam, là? Bah, je sais pas. Oui, bah oui, c'est un balas, non? Non, j'ai pas de cam. Laissez-nous, au moins lui, là. Lui. Viens, 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 on prévient les balas. Viens, on prévient les balas. Bader, Bader, viens, on prévient les balas. Fatou. Non. Force à toi Fatou, on va se changer comme ça au moins il sait pas qui on est, tu m'envoies la pause. Vas-y tu veux. Vas-y. Bon vas-y dépêche-toi avec ta bombe là. Ta gueule. Yo la gare c'est je pas un jeu. Je vais tirer dessus. Mais fais quoi Dark Sasuke avec sa bombe là. Ok t'es chaud, t'es chaud. Bref. Vas-y posez les. Plutôt fier de celle-là. Les cartons d'acide par terre, c'est bon. Bon les ballasses. Bon vous êtes pas tous concernés par ce qui va se passer. Vous êtes pas tous concernés par ce qui va se passer. Moi, je vais pas vous mentir, les gars. J'ai assez de sang sur les mains. Ça veut dire qu'en réalité, vous tuer maintenant ne m'apportera rien. Maintenant, moi, je vais faire quelque chose de bien plus intéressant. Et on va y revenir après. Adonis, je vais te parler à toi. Adonis et Marlon, hein, d'ailleurs, parce que Marlon, ça fait un moment qu'on se connaît. Ça fait plusieurs années. Ouais. Parce que toi, ouais. T'as connu Blake, t'as connu tout ce qui s'est passé. Et ouais, t'imagines bien qu'aujourd'hui, j'ai énormément de choses sur le cœur. Tu vois, et là... Justement pas, y a pas grand chose qui me retient de tous vous aligner. Ça c'est... On soit clair. Pourquoi ils sont autant ? Dans tous les cas, je vais vous proposer deux choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, ça m'intéresse bien plus de reprendre Grosse Street et de vous forcer à vous habiller en vert pour que vous travaillez pour moi. Donc c'est ce qui va se passer. Ça veut dire que vous tuer ne m'apportera pas d'argent. Ça m'en fera gâcher parce que je vais utiliser des balles, devoir jeter vos cadavres, de l'essence, tu connais, bon c'est un peu relou. Mais après tout ce qui s'est passé, dont ce qui s'est passé hier... Ce qui s'est passé avant-hier, ce qui s'est passé ces dernières années, il y a beaucoup de choses à extérioriser. Et je pense qu'il y en a déjà qui ont grillé les conséquences. Non, mais sans doute, il a 12. À qui j'ai explosé sa tête dans la vitre. Je vais vous proposer deux choses. Les habitants ? Soit okay. Je vous aligne tous, soit vous me laissez partir avec Adonis. Ouais, mais si je vous laisse tous partir, vous imaginez bien que je vais exécuter le plan que je vous ai dit juste avant. Donc, vous avez Jordan, là au moins. Vous savez à quoi vous attendre. Là, je vous dis juste, ouais, vous avez du temps. Vous avez du temps pour partir, prendre vos affaires, bouger vos familles de là-bas. Sauf si vous voulez que je vienne à Grove Street et que vous soyez obligé de porter du vert. Ce serait dommage. Je vous laisse la vie sauve parce que certains n'y sont pour rien. Certains, je les connais même pas. Tu vois, certains n'ont pas fait ce que Blake a fait. Certains n'ont pas fait. Tout simplement. Attends, Trick, je peux me permettre un truc? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Jordan qui a été braqué, c'est Jordan il les a braqués, on les a tous. Attends, Jordan il les a braqués. Ramène-les. Oh les lobes ça jusqu'au bout. On pense que tu es braqué, vas-y bien, viens. Il en a deux, un habitant. Il abuse. Bref, je pense que cette décision revient à Marlon, dans tous les cas. Ou alors Adonis, mais bon. C'est pas moi le OG. Le problème Adonis. Vas-y bien, on se casse. Adonis, je sais très bien que toi tu veux partir. On se casse. Toi tu veux partir avec nous et sauver les tiens. On se casse, toi et moi. Laisse-les décider, man. Non. Merci, Liam. Mets-toi Adonis derrière la ligne de famille, va derrière Adonis. Tu vas pas partir qu'avec lui, on va te suivre. Il y aura plus d'étagères avec les armes, je te le dis. Il y aura pas de somme. Tu laisses Adonis partir avec nous ou vous mourrez tous? C'est lui qui est honteux. C'est lui qui veut, c'est son choix. Sa tête de M&M. Oh la salope. Je te demande une. Je te pose une question, j'attends une réponse. Tiens, va derrière la ligne, toi. Avec ta... Rejoins ton OG. Pourquoi? Je te dis, fais ce rejoins ton OG. S'il veut venir, il va. Rejoins ton OG. C'est Casper. Ouais. Le rappeur. Ouais, c'est ça. Toi, pas tu clames. Ce que tu fais. Tu suis ton OG ou vous mourrez tous? Tu sais très bien ce que tes gars y répondraient s'ils étaient dans cette situation. C'est pour ça que je veux l'entendre sortir de ta bouche. Moi, je suis prêt à mourir pour Moji jusqu'à la fin. Je comprends rien. Man, je sais pas c'est quoi ton nom. Jericho. Jerichon. Tu vas aller où? Mourir pour ton Moji ou le laisser partir avec nous? Avec mon Moji. La bande d'Abigail, il y en avait, il s'appelait Jericho. Marlon, je te pose pas la question, ça va de soi. Ouais. Vous préférez tous mourir, c'est ça?
Maudit, je le connais depuis que je suis petit. Merci Kakos. J'ai grandi avec lui. Et si je dois mourir avec lui, je mourrai avec lui. Kodak, mon ami. Tu parles fort, Moussa, tu parles fort. Ouais, ferme ta gueule, gros bouffon. Nique ta race, toi, baisse ta mère. Fatou. Pareil, hein. Pareil que... Non, Fatou, pitié. Pour qu'elle meure, Fatou. C'est bien. Là, on reconnaît des vrais gangsters. Au moins, je saurai que quand vous porterez du verre, vous serez capable de mourir pour moi. C'est plaisir. C'est plaisir. Bon, comme on dit, Adonis, la majorité l'emporte. Ah, attends, j'ai pas fini mon sondage. Oh, les dégâts, ils partent avec vos potes, là. Ouais, Trix, c'est des vendeurs du LTD, laisse-les. C'est des vendeurs du LTD, ok. Ouais, tranquille. C'est la Lopsa qui m'avait mal parlé, je m'en rappelle. Combien de dollars tu m'avais dit? Non, mais combien t'avais dit le dollar, toi, là-bas, tu t'appelles de moi? Non, t'avais dit 250, sale pute. Le truc, il tourne pas sur toi, mon gars. Ok, bon, du coup, Adonis, qu'est-ce que t'en penses? La majorité l'emporte, ils sont tous prêts à mourir pour toi, je vous tue tous. Je te laisse en vie, Adonis, je te laisse regarder un petit peu ce qui va se passer. Il faut parler, là. Tu veux je te réponde quoi, en fait, là? Qu'est-ce que t'es prêt à faire? Je t'ai dit, t'as proposé un truc tout à l'heure, on se casse, laisse-les en dehors de tout ça. C'est moi que tu veux, non? C'est toi que je veux, mais c'est surtout Grove Street, c'est surtout de l'oseille, du business. Arrête ton problème. Prends. C'est qui là? Il est où le balas qui était avec lui? Il est parti pisser contre le mur. Ok. C'est... Comment il s'appelle? C'est Dwayne? Non, Dwayne, il est là, à droite. Mais non. Comment il s'appelle? Si, il est là, en blanc. Je sais pas s'ils vont les tuer, putain, mais pourquoi je lis pas les tickets moi aussi là? Ok. Bon. Pourquoi je lis pas les tickets, frère? Qu'est-ce que vous en pensez d'un peu de challenge? Vous préférez donc porter du verre? Je récupère Grove Street, que vous travaillez pour moi? Qu'est-ce que, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Ou alors, je peux tous vous allumer ici, ce sera peut-être plus rapide. Marlon, t'es plus gradé. Ouais. Je t'écoute. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Canner ici ou alors porter du verre, sous ma contrainte? J'ai pas envie de canner, mais le verre, tu sais très bien comme toi et moi que la couleur, je la porterai jamais. Si c'est ta seule condition de survie, ce serait dommage. Ce serait dommage. Ok, bon. On a quelques comptes à régler avec certains de vos man, vous l'imaginez bien. Parce que cette guerre, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est ici qu'elle va se finir. Ici que vous allez comprendre que... On vous a baisé, sur toute la ligne. Vous avez certainement baisé nos ancêtres. Vous avez fait du mal à certaines générations de familles, effectivement. Vos anciens, etc. Cette fois-ci, Grove Street sera à nous. Grove Street retrouvera sa nature. Et Grove Street sera revêtu du green, des families. Comme elle l'était initialement, cette belle rue. Ou du orange. Je comprends. Ouais, ok, bon. Faites monter Adonis dans le straighter, là, déjà. Vous enlevez votre G pour vous faire plus mal, ça m'intéresse. C'est lui qui leur fait du mal, ouais. Donc là, ce qu'on va faire, on a quelques comptes à régler. Vous allez, pour ceux qui pourront encore marcher après ça, prendre vos tantines. Vos grands-mères, vos frères, vos sœurs, vos cousines, tout le monde. Vous allez prendre vos bagages. Et cette fois-ci, vous allez décoller de Grove Street. Vous allez vous barrer. C'est compris? Vous allez où vous voulez. Los Santos, je m'en bats les couilles. Autre part, je m'en bats les couilles. Maintenant, juste, Grove Street est à moi. Tu iras prendre le quartier d'Orange si t'en veux. Tu iras prendre le quartier de qui tu veux. Mais Grove Street, à partir de maintenant, m'appartient. Ok, les gars. Enfin, Marlon. Ouais. Ça te va? Marlon, j'ai toujours eu du respect pour toi. T'es un gradé des balas. Y'a pas de galère. Mais c'est vrai que t'as été une belle pute ces derniers jours. Et je m'attendais pas à ça de ta part. Je m'attendais à un comportement de gangster. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je suis toujours un gangster et je le resterai jusqu'à la fin de ma vie. C'est pour ça que c'est peut-être pas à toi de grailler les conséquences. C'est peut-être au deuxième genou de Kodak, ce fils de pute. Apparemment, le premier t'a pas fait assez mal, petit fils de pute. Alors, je te prends le deuxième. J'espère qu'il te fera bien mal, celui-là. Je m'arrêterai pas là, Marlon, tu l'imagines bien. T'inquiète. Ouais. Est-ce que le prochain qui va prendre... la foudre des familles est capable d'avancer d'un pas lui-même? Parce qu'il sait déjà tout ce qu'il a fait. Et il sait déjà qu'il est coupable et qu'il va manger fort. Que ce putain de gangster, si c'est un vrai Jeez,
Il avance d'un pas. Et la personne concernée sait très bien de qui je parle. Je suis un cancer. Recule, Nervous. Oui. Oui. Je vous jure que si d'ici quelques secondes la personne n'a pas avancé, je vais l'allumer sur place. Allez, allez, allez. Tire sur moi. Arrête de martyriser mes petits. Recule, tire Marlon. Sur moi. T'as été un tire sur moi, je t'ai dit. Tire sur moi. Marlon. Tire-moi dessus. Okay, okay, je te réserve pour le dessert, man. J'ai envie qu'on se batte sur le terrain, nous deux. J'ai pas envie que tu sois sous les conditions. Allez. C'est pas vas-y, toi, Casper. Moi. Ouais, retourne à ta place, t'as rien dit, toi. Voilà, recule, voilà. Je vous jure que je parlais de Fatou. D'aventure. Je vous jure que c'est Fatou. Hein. Ah ouais? Je vous jure que je parlais de Fatou. Ah. Recule ton visage. C'est Casper, moi. Fatou tu t'en rends compte? Tu te rends compte de tout ce que t'as fait sur les familles. Ouais, je les ai pris. Tous les trucs de fils de pute. Des grosses lobsters, ouais. C'est ton moment, Slim. Ah là 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 là. Et tu vois, moi, il y a un truc que j'ai toujours fait. C'est que mes mans sont prêts à mourir pour moi. Moi, je suis prêt à mourir pour eux. Donc, tu vois, je suis prêt à leur donner ce qu'ils veulent. Et tu vois, il y a des mans à moi, ils ont une la vengeance au bout des lèvres. Et tu sais très bien qu'avoir la vengeance au bout du canon, c'est certainement une des pires choses pour un gangster. Avoir la haine de vouloir qu'une seule personne pour toujours. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je le sais, ouais. Mais je me suis vengé aussi, hein. Ah ouais, ouais. Ah, Fatou, Fatou, Fatou. Mettre un coup de couteau à Slim, grader les families. C'était petit ta part. C'est con ça, Fatou. Ouais, c'est la vraie, hein, tu connais. Un dernier mot à dire, Fatou. Non, à part que la roue elle tourne, sa mère. Elle va carrément pas tourner. Quoi? Elle a tourné. T'es sérieux là? Elle tourne à l'angle, la roue là. Ça pose problème, non, Melis for Life. Mais non, mais non, mais pas Fatou. Non. Je l'amène à l'hôpital, mais vous allez pas tuer Fatou. Mais vous êtes sérieux? Mais non, mais vous tuez pas Fatou. Écoute-moi bien, Trix. Je n'ai qu'une parole. Et sache que cela ne restera pas sans conséquence. J'imagine bien, man, j'imagine bien. Ils ont tué Fatou. Qui survivra, mais comment elle se rendra compte de ses erreurs? Mais PK, vous avez tué Fatou? Il est pas là, Riley. La guerre, c'est pas un putain de jeu, yo. Mais Fatou? Non. Quel dommage. Mais si, c'est tout. Elle avait rien à voir, elle s'était inspirée. Fatou, t'en penses quoi? Elle avait tout à voir. Regarde comment elle est habillée. Hein? Vas-y, redis-moi dans les yeux qu'elle a d'un avant. Elle devenait super bonne, sérieux. Ça, c'est carrément réel. Et regarde les messages qu'elle m'a envoyé. Même moi, j'ai un peu le seum. On baisse quand? Il y a 3 jours, regarde. Quel gâchis. Une future pépite. On peut baiser demain, elle m'a dit. Demain? J'ai carrément la baisée. Oh là là. C'est tellement triste. Et pourtant, elle est dead. De ce quartier. Je vais donc devenir nécrophile, yo, parce qu'elle est carrément super bonne. Passe-moi ça, yo. Attends, y'avait pas un mec qu'on avait? Ok, je le fais. Non, arrête. Arrête qu'elle repose en paix, arrête. Bah yo, elle reposera en paix, que tu aies graffé ou non. Bah oui, mais laisse-la, c'est un petit souvenir. Tu peux au moins laisser ça, on dirait que c'est écrit RP, ça me fume. C'est pour sa mémoire. Attends, désolé de vous couper, s'il vous plaît, ramenez Dita à de revenir. Il s'est fait planter par l'OG, il veut faire la vengeance lui-même, mais venez ici, nulle part ailleurs. Attends, qui s'est fait planter par l'OG? En vrai, je t'explique, nous on est censé buter l'OG, sauf que l'OG s'est fait planter par Bader, et du coup Bader il veut faire sa propre vengeance ailleurs. Donc dis-lui de revenir, s'il te plaît. Bader s'est fait planter par l'OG, tu veux dire? Ouais, et du coup il est parti avec lui, mais il faut qu'il reste ici. Ah, il a kidnappé l'OG? Ouais, en gros il l'a kidnappé, il est resté, il est monté dans le streeter, il est parti. Ouais, allô? Allô? Ouais, t'es où? Et sa mère Audi, je vais le fumer. Non, ils vont le tuer, je vais le tuer moi. Attends, je le tue, je reviens. Non, le tue pas. Mais attends, mais t'es parti où avec lui? Je l'ai pris, il a voulu me chlasser, ce fils de pute. Envoie-moi ta pause. L'homme le moins charismatique des États-Unis. Ta gueule un peu. Ouais. Ta gueule. Il est où? Je le cherche là, il est devenu fou, il a envie de le tuer, je le cherche. Écoute-moi bien. Ouais. Ouais, moi. Faites ça va partir très loin, Céline. C'est ma vengeance personnelle. Je le cherche, attends. D'accord, mais dépêche-toi. Vas-y. Je l'appelle. Vas-y, appelle-le. T'es fils de pute. Ah, bâtard. Tu fais le beau gosse avec mon frère, toi. Bâtard. Hein? Ah, tu rends les coups? Aïe. Tiens, ça me merde. J'étais tombé en moto avant, crois pas tes chauds. Aïe, crois pas tes chauds.
Ok. Allo. Lilian, ramène. Je cherche Bader. Je cherche Bader. Il est parti tout seul avec lui là. Il est pas avec toi, tu vas me dire. Je le cherche. Je suis en moto. Je le cherche. Je fais le tour. Vas-y. On a avec Idriss en attendant. Vas-y. Tiens, le c'est bon. Je t'encule. Mais arrête de rendre les coups là. Ok. Tu veux la jouer comme ça? Tu veux la jouer comme ça? T'es sûr? Bien sûr, je suis sûr. Ah ouais, mon champion. Ben oui, bien évidemment que ça se la joue comme ça. Toi, tu crois quoi? Tu crois que tu vas venir, que tu vas me planter? Hein? Petit fils de pute. Oh, pourquoi tu me supplies pas de te sauver la vie là? Oh, petite chiennasse. Arrête, je t'ai balafré, je t'ai pas planté, je t'ai mis une petite balafre dans la côte, arrête de mentir. Ah, tu veux que je te ramène à l'hôpital? Il y a un petit coup de chlasse qui est parti. Bien fait. Vas-y, viens, on le ramène, viens. Vas-y. Vous étiez des bons avec nous. En vrai, Adonis, bon, je te parle là, tu vas peut-être crever, mais je vais vider mon sac, ok? Franchement, Adonis. Attends, ah oui, parce que tu me reconnais pas. Attends, regarde. Tu te rappelles de moi, Céliane? Avec les frères, mes deux frères. Ah, le bouffon avec. Ouais. Sur ma gueule, là. Bah, franchement, je vais te dire un truc, Adonis. Vous les ballasses là, vous avez été le seul gang à jamais nous avoir baisé. Les Vagos, ils nous ont baisé, les familles, ils nous ont baisé. Il y a un peu tout le monde qui nous a baisé sauf vous, tu vois. Donc, je tenais à te remercier quand même si jamais t'allais mourir. Ok, Adonis? Ouais. Tu peux me dire de rien? De rien. Ouais, yo, Kurt, t'es carrément gang, man. Regarde ça. Tu vois, c'est quoi ça, Kurt? Je nous fais tous cramer si jamais il y a Haja. Moi, je te préviens, parce que t'as vu, je suis pas un mec qui parle pour rien, moi. Tu nous fais tous cramer, c'est quoi? Si jamais il y a Haja. Ça veut dire quoi? Bah ok, moi aussi je nous fais tous cramer. Voilà, fais-nous cramer si t'es pas une chienne maintenant. Voilà, sa mère. On meurt. Yo, chill down sur la côte. Arrête, tu vas cramer les man. Arrête. C'est Kurt et un autre. Ah, je croyais qu'on était excités et tout, pardon. Mais non. Yo, c'est pas un mariage. Je sais pas, vous allez tuer l'OG, frère. Exactement, et la guerre c'est triste, yo. Tu comprends pas ça, yo? Non. La guerre c'est fucking ça. Vas-y. Sommeur. Non mais c'est excitant quand même. C'est pas excitant, yo. Si c'est excitant, je te jure c'est excitant. Quand hier je t'ai fait tirer dessus par un bala, c'est que t'as raté toutes tes balles et que j'en ai mis une dans le crâne. Et qu'après j'ai carrément pas raté toutes mes balles, j'en ai mis 14. Oui d'accord, donc il a survécu à 14 balles. Exactement, yo. Moi je pense que t'as tout raté, moi. Ça va, Shog? Moi je pense pas, yo. Tranquille, hein. Moi je pense que oui, ça moi va, yo. Ça fait quoi aujourd'hui là? Tranquille. Wam. Un œil en moins, tu connais, comme d'hab. Cependant. J'ai la licorne là tout à l'heure là. J'ai des buts et tout, tu vois. At. Jure. Out. Ouais, jure de fou. Terra. Moi je dois choper 2-3 mecs après. Je sais pas. Je dois choper la daronne aux 3 mecs, moi. At. F. Ud. Je me devis les couilles là. Os. Je l'ai pas. Bah, yo, moi j'ai fait du 1 pour 1, t'as fait du 1 pour 1, donc je vois même pas pourquoi tu me vannes, espèce de salope. Ah, on ferme sa gueule, hein. Ah ouais, ça va oublier. Attends, ils vont voir en vrai. Ah, Jordan. Ah, abonné. Jordan. C'est bon, y'a tout le monde. On y va, les gars. On a exactement les mêmes trous comme Jibon. Avance. Les ténèbres, profite de l'air. N'oublie pas, la radio elle marche pas en bas. Lorsque tu pénètres ces escaliers. Vas-y, c'est quoi cette chiennasse de OG de merde là qui sait même pas marcher? On va dire que ça marche pas, mais il abuse. C'est tu sais où on va, Adonis? Dans la chatte à ta mère, tellement c'est profond. Get Adonis, get. T'as vu comment c'est profond ou pas? Putain, y'a grave de la sup là. Ouais, je sais. Y'a même une arène de combat si tu veux. Ah ouais, y'a des grillages, barbelés, canapés. Si tu veux, en haut là-bas y'a un petit canapé et tout. Wow. Ça sent l'amour. Faites un cercle. Tiens, regarde-moi, ils sont. Ce que vous allez faire après, c'est que vous allez aller en haut là. Répète. T'es inspiré de Danny the Dog? Non. Mais toi, dois-moi. Je l'ai pas vu. Le film Danny the Dog? Je l'ai pas vu, frère. C'est quoi ce film? Roji Balas. Après toute cette guerre. On regardera après. C'est le moment. De régler ça. Comme des gangsters. De régler ça. Dans un ring, on va dire. Ça va pas être n'importe quel combat à mort, Adonis. Ferme ta gueule. Tu vas avoir un gun. C'est l'enfer là qui nous attend. Ferme ta gueule. On va se coller dos à dos, on va marcher à la même vitesse. Une fois qu'il y aura un top, on se retournera. Et le premier qui mettra la balle sera celui qui pourra gérer son hood à nouveau, son quartier. T'es prêt, Adonis? Kurt, ramène le bidon. Malheureusement, Adonis, dans la rue, comme on dit, il n'y a pas de règles. Dans ce combat, il n'y a pas de règles. Mets la tête vers l'arrière. Yo. Ah là 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 là. Yo, non. Penche-toi. Vas-y. Kurt, viens m'aider. Ouvre bien grand les yeux, Adonis. Bien grand. Ils vont te servir à viser. Ou alors, ils vont peut-être plus te servir à rien. Ça serait dommage. Vas-y, il brûle les yeux, genre. Mets de l'acide sur le premier œil. Ah oui, après un duel.
Zama, ça lui brûle les yeux et après ça fait un duel. Mais c'est des chiens. C'est un isodoc ça? Adonis. Ben après, pour l'anecdote, ça fait pas mal. En fait, si ça fait mal, mais y a pas de nerf dans nos yeux, ça veut dire que vous pouvez pas avoir mal à l'œil directement. On ressent pas la douleur dans l'œil. T'aurais dû t'habiller en vert, man, depuis le début. Bon, après, y'a l'acide pu se régler autrement. Sur la peau qui doit lui faire mal, mais ouais. Juste nous donner Grove Street et en terminer là. Hein, Adonis? Plus la force de parler. Réveille-toi, Adonis. Insulte-moi une dernière fois, man. Je te bouffe le fion. Quoi? Allez, coupe-toi du deuxième œil. Il a encore lâché ton fion, là, je rêve. Il a dit, je te bouffe le fion. Et ouvre les yeux quand on te parle. Il est où, ça? Non, tu peux pas. Tape les yeux. J'en ai déjà. Kurchak, vous allez m'aider à le mettre debout. Attends, les ondes radio elles passent pas ici, madame. Vous parlez toute seule. Debout, pirate. Mettez le dos à moi. C'est bien. Quoi? Est-ce qu'on va leur en faire? Toujours du respect pour les gangsters, mais pas ceux qui. Ouais, peut-être. Et tire-lui des bras en tête. T'aurais pu mourir comme un homme, Adonis. J'ai décidé de t'humilier parce que la dernière fois tu m'as filé entre les doigts. Arrête de bouger, arrête de bouger. Filé de dingue. Tu m'as filé entre les doigts pendant un combat à mort, man. On était en train de se la foutre et tu m'as braqué. Parce que. Ça va se payer, Adonis. Vas-y, tout le monde sort. Wall Street va être une belle rue, man. Tous les miens. J'ai été loyal avec tous les gangsters que j'ai tués. Sauf l'espèce de pute que t'es. Je te sens essayer de te retourner, ne bouge pas. J'ai pas qu'une seule balle. Par sécurité. Est-ce que t'es prêt, Adonis, pour en finir maintenant? Ce sera toi ou moi. Peut-être que c'est le destin que que ce soit moi. Chag, tu vas nous faire avancer de 5 pas chacun. Tu vas mettre quelques secondes entre chaque pas. Au bout de 5 pas, on se retourne. Et l'un de nous deux tombe. Attends, bon, on va se faire tirer dessus là, ça se trouve. Je pense même si on s'est mis c'est quand sur tu veux. Avance, Adonis. Mais il rate sa balle. 5. On attend ton go. C'est parti. Families for life. Voilà. La rue, la cahier, la rue. Attends, Matrix, il a raté 8 balles. Comment ça, il a un gars, il a fait un featuring. Tu veux péter un câble? Mais c'était pas équitable. Non, jure. Hey, Trix, t'es grave fort. Tu vises grave bien. Nique ta mère. Le balles, c'est pas gratuit. Fils de pute. Bon, stop, stop, arrêtez. Meurs. Gueule, t'es mal, Bader. Après, tu vas. Après, ça veut dire que t'as pas de balle, toi, après. Ouais, mais bats les couilles, fils de pute, il mérite. Voilà. Putain, j'ai niqué deux. C'était pour. Vas-y, on se bat. Ouais. Il y a Lamar, il a des balles pour moi, Lamar. C'est carré, T'as dit mon blast, fils de pute, t'as dit mon blast, vends la meuf. Mais non, elle est en haut. Bon, bref, il y a une schneck, vraiment, moi je l'ai capté, on va y aller, let's go, ça y est, l'autre il est mort. Tu bouffons là. Grave du monde, on dirait. Alors, mais bref, j'allais dire. Allez, dis-le. Jure, en vrai, c'est culotté en plus, Goudère. Dis-le. En fait, comment tout le monde sort, on dit, on vient, bref, non, on va laisser tomber. Vas-y, t'as envie de faire. Vas-y, dis-la, vas-y, Bader, dis-la. Ah non, les frères, laissez-moi. Normal, t'es pas là si ça avait grave pas visé, wesh. Normal, il avait de l'acide dans les yeux. Ah, mais c'est pas une raison, normalement, tu vises pas. C'est un gangster, il a fait ça toute sa vie. Vas-y, vas-y, viens. C'est un bolos. Ah, bah, on a qu'une moto, non? On se rejoint magasin vêtements? On prend pas de. Depuis, t'as pris ma moto. Attends. Il veut pas descendre.
Descends, champion. Quoi? Non. Il est sous coque ou quoi? Ok, laisse tomber. Non, il est trop, il est trop énervé là. Ah. Vas-y, Maxime, devant, viens. Non, c'est stylé, c'est stylé. Non, mais en vrai, c'est un chien, Trix. Bah ouais, c'est un yinche. Ah ouais, il aurait dû le faire à la loyale. Je sais pas ce qu'il nous a fait là. Et parce qu'il le sait qu'à la loyale, il gagne pas. Eh ouais, c'est une petite salope. Putain, j'ai plus de tenue, faut que je m'en refasse. En vrai, je commence à m'habituer à la Pecou, hein. Si on plisse un peu les yeux comme ça. Ils vont se faire péter par les keufs là. Ah, parce qu'ils étaient déjà là? Je sais pas. On aurait dû les appeler tout à l'heure. Attends, je cherche une voiture. Putain, vous avez grave de l'argent, vous. Comment vous arrivez à vous changer tous les jours et tout? Ben, j'ai fait des tenues tout à l'heure. J'ai ouais, mais tu les payes comment? Vous voulez m'embarquer? Monte, t'inquiète. Mais non. Mais non, la mare, embarquez pas la mare. Avancez, monte, messieurs, avancez. Dépêche. Mais non, mais n'y va. La mare, n'y va pas, n'y va pas, la mare. Je veux pas monter, j'ai rien fait. La mare, n'y va pas, la mare. Yo, la mare, il a rien fait, yo, les tirs. Yo, par contre, vous voulez m'embarquer de face, là. Merkel. Non. Crois pas que tu prends une grosse voix, tu me fais peur, toi. C'est ouais, ouais. Crois pas, tu me fais peur. La mare, viens. Laissez-moi, je veux pas monter. La mare, regarde, laissez-moi. Ça y est, la mare, cavale, viens. Monte dessus. Ouais, je suis sûr, je veux pas monter. Allez. Circule. La mare, reste fort, la mare, reste fort. Circulez, s'il vous plaît. Ferme ta gueule, toi. La mare, reste fort, mon frère. Ferme ta gueule, toi. La mare, reste fort. Allez, bouge. Mais je circule ou je circule pas, je comprends pas, putain. Tu circules plus maintenant. C'est trop tard. Et putain. Arrête-toi. Et tu me braques pour fermer ta gueule, oh, baisse ton arme, t'es devenu folle ou quoi? Tu manques de respect, toutes les gardes, c'est mais tout, cousin, c'est oh non, 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 mais toi t'as pété un câble, tu me braques avec une M4 pour fermer ta gueule? Vas-y, tranquille, bougez. Je vais porter plainte. Allez, bougez. Oh, je veux porter plainte, monsieur l'agent. Ouais, 09, occupe-toi de ta fille, au lieu de te balader, faire des patrouilles, là. Chiennasse. Eh ouais, mesdames et messieurs, elle met sa fille à la crèche. Pendant qu'elle est là, braque des citoyens. Et toi aussi, t'es une chiennasse avec ta grosse voix, crois pas, tu parles avec une grosse voix, t'es un homme, toi. Je peux pas bouger, et toi aussi à droite là, avec ton bandana, t'es une chiennasse. Bouger. Allez, bougez. Voilà, laissez-moi partir. Allez, soyez gentil. Donnez pas d'importance aux débiles. Allez, soyez gentil. Bougez. Vas-y. C'est Karim ? Enfin, comment je t'appelle ? Ouais, Karim. C'est moi. Sale fils de pute, baisse ta mère, toi. Bah, nique ta mère. Il m'a tabassé en interrogatoire. Allez, bougez. Nous le baisse. Ta mère, Karim. Et lui, il m'a tabassé en interrogatoire, mais vraiment, il m'a mis en sang. Fils de. J'ai essayé, mon ref, j'ai essayé. En plus, lui, c'est qui nous a dit de l'attraper? Il y a un groupe qui nous avait dit de l'attraper, lui. Je m'arrête ou pas? Bah non, on est armé, mon frère. Ok, attends. Attends, je me mets en position. Eh, hey, c'est okay. De te rappeler, c'est là, t'as une bonne mémoire, toi. C'est quel groupe qui nous avait dit de... Rappelle-toi. Qui nous avait dit quoi? De le péter, lui. Ah merde. Oh, le c'est bon, film y a rien. De cul que je vais te faire. Ta mère. Ah, concentre-toi. Ouais, je me concentre, attends. C'est bon, je me suis installé bien. Je me suis installé. Oh, répète ton histoire, Bader. Il y a un gang qui nous avait dit d'attraper Karim. Il y a un gang qui nous avait dit, je sais pas, moi, je sais pas. Eh, hey, frérot, tu vas très vite découvrir que j'ai zéro mémoire, mon ref. Hein. Ah ouais? Ah, je te jure. En fait, j'ai une mémoire sélective. C'était pas toi, Karim? Ah. Il y a quelques trucs, je m'en rappelle, mais sinon. Non, ouais. C'est pas moi. Non, non. Non, t'as baisé. Ah bah non, on a pas trop baisé. Ah ouais! Eh, problème grave. À Skip, ça se revend 200 les trucs que t'as passé au Orange. Arrête, mais non, impossible. Je te jure, il m'a dit ça. Attends, je l'appelle. Non, non, il nous ment. Allo, Soso. Eh, à ce qui paraît, c'est impossible, ça se revend 200. C'est vous êtes des mauvais vendeurs. Garde, t'as rien vendu là, tu les as gardés. Il en reste ou pas? Qu'ils les vendent pas 200 hein, du coup. Ok, il en reste. Oh, Soso. Il en reste? Oui, il en reste. Ok, bah vas-y, bah garde-les. On finit ce qu'on fait et on va les vendre ensemble. On va voir si c'est vrai. On veut pas t'associer, on est ensemble. Main dans la main. On va pas vous la mettre à l'envers.
Oula, je sais pas dans quoi je m'embarque. Oh merde. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais non, descends. Ta mère, cours. On s'arrête, messieurs. Non, arrête. Laisse-moi une chance, fils de pute. Allez, cours Bader. Oh, arrêtez-vous. Suis-moi. Oh, il a un skate, le bâtard. Ils vont nous taser. Nique ta mère. Je suis devant. Monsieur, c'est fu. Arrête-toi. Et t'es un malade. Eh putain. Ils sont où? Non. Merde, non, je suis deg. Attends. Ça va, c'est bon? Ouais, ouais. Mais sur la tête de moi. Ouais, je vais dans l'eau. Va dans l'eau, frère. Plonge. J'arrive pas à plonger. Allez, arrête-toi. Nique ta mère. Viens ici, fils de pute. Allez, messieurs, on se rend. Juste se la régler à la loyale, c'est tout. Écoute, regarde ça à faire. 1v1, si tu gagnes, je te laisse tranquille. Si par contre. Ouais, vas-y, fais ça avec moi. Wallah, je vais te haggar, c'est bon. Et si je perds. Ouais. Surveille l'autre derrière. On sait jamais. Voilà, surveille. C'est bon, je vais rien faire. Un combat à la loyale. C'est bon? C'est bon, un combat à la loyale. Aïe! Nique ta mère, y'a pas de loyauté ici. Allez, viens, on se casse. Voilà, il trisse! Oui, il trisse! Mais monte. Non! Mais non! Mais. C'est bon. J'avais sorti. On est des vrais chiens. Get, j'ai ramené qui, Bader, qui va travailler là? On est la sécu, vous mais non, pas, c'est madame, qui faire confiance, Mais non. Eh ouais. Attends, je finis. Oh non, c'est trop. Oh non, c'est trop. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Oh là. Non, Idriss, je vais péter un câble. Idriss. Bader! Mais vous avez pas un cure-dent? Bader! Oh là là, c'est trop! Bader! Vous avez un bouton en fait, vous avez un bouton à côté de la. À côté des yeux. C'est bizarre. Oh là là, bon, eh, parfait, tu corresponds parfaitement au poste. Quoi? Oh là là. Ah bah chérie. Non, c'est une dinguerie. C'est donc ça la réussite. Qu'est-ce qui se passe là? Oh les deux là. Oh là 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 là. Eh, venez, c'est là l'Idriss, venez. C'est pas mal hein. Pas. Oh, t'as vu ça fait quoi? Lana à l'envers. Lana. Oh là là là. Ta daronne elle a fait exprès même ta mère, ça c'était bref. Non, c'est. Oh non, mais sérieux, ton cul, putain! Non, mais get le bas, non, mais get le bas, get le boule! Mais non, mais get le boule! Mais t'es fou, mais get le boule, frère, get le cul! Get le cul, je vais péter un câble! Le haut vicieux, tu vois, c'est provocateur pour nous faire chavirer. Non, ouais. J'ai pas son nu, mais j'ai des pays, il dort. Ouais, venez, on trouve un autre blasque qu'on sait ce moto. Vous lui donnez un nom? Bah, Darba, il voulait trop autre chose que. Bref, je sais pas les gars, je sais pas, faut trouver un autre chose. Y'a des chica. Chica. Aïe. A chic? Chica bacon. Gonz bacon. Gonzes. Chican. Pas... Mais ouais, Chica Street. Attends, chican. Chican. Chica bacon. Chican. Là. Oh, sinon, Brabus Motors. Ouais, ça va aussi. C'est bien Brabus Motors. C'est quoi, Brabus? Classique. Oh, on fait comme dans Charmed. T'as vu Charmed? Elles avaient fait un magasin, leur boîte de nuit là. Et ça s'appelait 3P parce que c'était pour. Après, enfin, je sais pas, je dis ça, mais Page, c'est ma sœur. Piper et Prou. Ouais. Après, je connais pas. Hein, c'est... Oh, ça y est, la Matrix, ça se voit la squatter. C'est ma sœur, elle me l'a dit. Hein, moi, je regardais pas. Mais bref, tu vois, on peut faire un truc comme ça. On l'appelle BBB. Ou attends, non, attends, Céliane, Brabus, non, Céliane, Idriss, Bader, SIB. BIS, ISB. BIS. 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 Obis. On va au BIS. On va au BIS. Obis Motors. On va au BIS. En vrai, ça rend bien, non? On va au BIS. Attends, fais voir. On va au BIS.
Ouais, allô, t'es où? Ouais, je suis au bis là. Est-ce que c'est vraiment important? Bah, bien sûr, c'est important. Ah, mais bien sûr. Je suis au bis. Eh, les gars. Oh, moi je suis au bis, vous êtes où vous? Je suis au bis. Il a été enculé, qu'est-ce qu'il raconte? Moi je suis au bis. Attends, je te mets une petite patate parce que t'as manqué de respect quand même. On appelle ça le bis Motors. Non, sérieux, vous aimez pas? Vraiment, c'est Diane. Ouais. Oh, moi j'aime bien. Oh, comment ça pète sa mère, bis Motors. Ça tue sa mère. Ça tue sa mère. Bis Motors, ok. Vas-y, c'est bon. Ouais, je trouvais ça, ouais. Vraiment fort, moi. T'as bien tué ça. Ouais. C'est incroyable. je l'ai dit une dinguerie, frère. J'ai tourné sans faire exprès comme un fils de pute. Ah ouais, quand même un fils de pute que t'es. T'es un bon petit Bob. Fils de pute. À toi, t'es encore merde. Plus un fils de pute. Niquez vos mères. Petite merde, viens, monte dans la voiture. Eh, monte dans la voiture. Allez, grimpe. M'en bats les couilles. Bats les couilles, monte. Bats les couilles. Tu peux même mettre ça à ta grand-mère, on s'en bat les couilles. Tu peux même être très si vous savez ce que je veux faire, putain, on est vraiment des frères. Pourquoi? Non, je sais pas. Je l'ai pas braqué pour rien, moi. Ah non, moi je l'ai braqué pour rien, moi. Si, je suis un familiste, j'étais là tout à l'heure. T'es un familiste random, toi, t'es pas un vrai familiste, genre. Je t'emmerde. Ah, mais c'est une vraie question. C'est tout. Vas-y, fais un freestyle. J'ai pas d'instru. Vas-y, eh ben, tu sais quoi, soit tu fais un freestyle, soit on le tue. Allez, rap. Putain de merde, vous êtes chier là. T'es cher fort, Bader. T'as vu? Beatbox, je suis chaud. Ok, quand j'étais petit, là, j'arrivais à faire un truc. Attends, comment je faisais déjà? Est-ce que tu faisais. Attends, il y avait un truc à faire. Non, c'était pistache, petite pistache. Je crois que c'était un truc comme ça, non? Je crois que c'était la mère à non, biscotte, petite biscotte. Tu connais pas ouais. Ça? Si, ouais, j'ai vu. Ah là, t'es trop fort, wesh! Ah ouais! T'es trop fort! C'est comme ça! C'est moi qui a fait, hein. Ah ouais, trop chaud. Vas-y, rap à capella, je m'en bats les couilles, rap. Ouais, bah attends, train de sourire, laisse-moi trouver un texte, putain. Attends. Dépêche-toi, je vais péter un câble. Ok, vas-y, c'est bon, vous allez foutre de ma gueule, vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Ah, tu veux pas faire un petit beat, un petit. Non? Non. Merci. Ok. Ah. À force d'en devenir malade, à force de rapper ma vie, ils me voient ok, je me pavane, mais au fond de moi je suis triste. Je sais qu'il faut prendre du gaviar, mais je garde les sous pour la mif. Un bol de flocons d'avoine pour la journée me suffit. Ouais, j'ai connu la merde, mais en prison, bah ouais, j'ai fait quelques folies. Bon. On se barre en cash pour des pesos, c'est récupérer territoire de la ville. Et à skip nous les verts, toute la soirée on suce strict. Excusez-nous, les gens d'en face d'avoir un OG utile. Non, y'a plus de peine dans le rap, ça tue des carrières en 2 zik et je vise leur tête ou un tap. Parce qu'ils sont collants comme des tics et je le crie fort, ils ont pas d'éthique comme les poulets, ils aiment les pites. Si tu comprends pas la zik, alors reviens quand t'as l'utile. Je vois sa tête derrière la vitre, ancien lèche vitrine. Envie de le braquer pour prendre Louis Vuitton. Je brise la baie vitrée avec ma bagnole. Je grimpe jusqu'au top et je me taille comme un voleur. Ils veulent goûter mes bails mais ils connaissent pas la tristesse de perdre un semblable dans le tas. Pendant que ça mitraille dans la gare, ils auront jamais mis le lyrics. C'est un bête de texte en un quart. Je suis pas comme ces pseudo-bandits qui prétendent qu'ils n'ont jamais peur. J'en place une sorte pour ces fils de pute qui parlaient comme des tasses. Des focus en couilles, bon tap. Ouais, j'arrive plus, hein, merde. Je te jure, t'es chaud. Allez, t'es chaud, petite salope. Allez, descends, c'est bon, t'es libre. T'es claqué au sol, tu putes ta mère. C'est pas vrai, je te jure, t'es bon, Merci. Tu putes ta mère. Je te jure, t'es bon. Prends pas la confiance. J'ai jamais vu ton clash à l'ancienne, hein. Guess, t'es claqué. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, il t'a lavé. Qui l'a lavé? Un mec que je connais. J'examine, j'assassine tous les faux qui parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de chasser.